Coucou YouTube. Vous avez loupé la blague. Ah, c'est dommage. Hein. Hop. J'espère que t'as bien aimé. C'était qui à deux? Attends, c'est au début. Vas-y, attends, j'en fais une gratuite parce qu'il y en a une qui m'a fumé. Attends, elle est où? T'es page 2 normalement. Fais chier. Il y a des pubs qui sont. Enfin, des pubs. Il y a des. Merde. Il y a des blagues, elles sont littéralement restreintes parce que j'ai pas Amazon Music. C'est gratuit. Bah. Elles sont renouvelées Ah, pourtant, j'ai vu bien en blague raciste. Oh, ouais, d'accord, ouais, non, ok, vas-y, c'est bon. Non, bah non. Oh putain, putain, je viens de fermer. Oh, Tovac, tu fais chier. Putain. Bon, bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Merde, non, mais. Oh là là, oh là là. J'en fous. Je m'en fous. Je crois que j'ai failli te ban, Marianne, sans faire exprès. Je suis désolé, hein. Alors, blague humour noir ou blague sexe? Ou blague de bouffe? Tiens, il y a quoi en blague de bouffe? Alors. Non, pas blague de bouffe, vas-y, c'est bon, blague humour noir. J'ai lu la première, j'ai envie de me tailler les veines. Alors, attends, je ferme les yeux. Où trouve-t-on les tétraplégiques? Là où on les a laissés. Et c'est gratuit! Oh, mais c'est tellement gratuit! Oh, j'adore les blagues! J'adore l'humour! Sulte du futur qui regarde ce dordif comme un branleur. Bon, bah, t'aurais une vanne sur deux. De quoi c'est à dire? Tu comprends pas le principe d'un tétraplégique? Franchement, je préfère le mec qui gagne au loto et qui dit « Chérie, j'ai gagné au loto, prends tes affaires. » Elle sort, bah lesquelles? D'hiver, d'été, tout, tu te barres. Allez, classique. Bah, moi, je suis sur un site, je les connais pas par cœur, tu vois, Triple J. C'est le Hoffman, ça vous, quoi. Bon, à force de... À fortiori, jouons. Le jeu n'est pas affiché. Hop. Ah là, parce que bon, on rigole, mais la case n'est toujours pas aussi folle. Ça veut rien dire. Hop, 50. 45. Je sais pas pourquoi j'augmente le son pour rien. Voilà. Hop, on est bon. Alors, sûr, je sais pas si je vais finir ce soir. Inch'Allah, on verra bien. Hop. Où ils sont mal l'air. Bon, c'est parti. C'est parti. Voilà. Non mais la blague c'est parce qu'on... Ils peuvent pas bouger en fait. Voilà. On a la communauté qu'on mérite. Mais merde c'est dommage, ils shuffle les blagues j'ai l'impression. C'est dommage, il y en avait vraiment des marrantes la dernière fois que j'ai regardé. Enfin, j'étais vraiment legit mort de rire chez moi tout seul. Tellement elle c'était pas bien et rigolo. Pas sûr qu'on mérite Triple J quand même. Si. C'est bon, je peux y aller. C'est bon. Ok. Alors. Ah ouais, putain. Je peux pas résumer, ça va être un peu long. J'ai. Oh, il me reste des balles. Ah oui, je venais d'avoir le fusil à pompe. Oh yes. Range-le par contre, vite fait, non? Attends, tu veux rien, j'ai confondu tétraplégique et triso. Ah oui! Ah, quand même! Ah, c'est pas mal ça! Après, l'un va avec l'autre, presque, tu vois. Souvent, c'est dès qu'une fine. Une fine bordure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, le jeu qui a décidé de charger du rien. Quoi? C'est de moi que vous vous moquez ou... Je crois que Jean-Jean il a parlé et j'ai loupé le message. Attends, il a dit quoi ce fou? Un peu comme France... Oh là. Un peu comme France Opis, Fieldman. France Opis. Même le perso il est dit, du quoi? Francky?
qui a gâché sa carrière au Téléthon en disant « Allez tout le monde debout, là-bas. » D'où il parle. Non, Yadar. Ah. Tetra et Triso, c'est presque la même chose. Bah ouais. Sans pression. Je dab sur les malades. Ah, ça, c'est peut-être un peu méchant, ça. Peut-être. Il n'y a qu'une fine couche. Bah ouais, et qu'une fine couche. À l'aide. Ouais, t'as Fumax. Mais non, je suis pas Fumax. Je suis heureux de vous voir. C'est pour ce... Voilà. C'est... Voilà. Moi, amour, vous. après inondation. Tu trolls? Absolument pas. Absolument pas, poteau. Bah oui, bah c'est le principe de la Megaforge, en fait, d'être homosexuel. Le sexe gay. on peut jouer, là? Non, ça, j'ai raconté deux blagues, c'est bon, c'est parti en cacahuète. On peut jouer, s'il vous plaît. C'est quoi un traitra pour toi, BG? Bah, fauteuil roulant, non? Légumes, un petit peu? Genre famille des légumineuses? À mi-chemin entre la patate et le brocoli. À mi-chemin entre la patate et le brocoli. Mais qu'est-ce que tu racontes, sale chien? Oh, mais putain. Tu es une belle courgette. Merci. Je prends le compliment. Un genre de cordon bleu avec beaucoup de fromage. Bon, James Warren, 35 ans, il crématoria, mais celui qui s'est fait péter la gueule. Alors là, j'expliquerai pas l'histoire, vous avez qu'à suivre. Il y a des radifs. Oui, c'est méchant, m'en fous. Non, mais en gros. Mais moi, j'en souviens pas. Ouais. Laurence Broccolini. Alors, c'est plus. Elle est pas très brocoli, la Laurence, hein, tu vois ce que je veux dire. Hein. C'est plus Laurence Lasagnoli, tu vois. C'est. Hein? Mec, mais quand il se retourne, ça me fume à chaque fois que je fais une vanne. Non, enfin, tout le monde sait qu'un tétra machine, c'est de forme géométrique. Ah bon? James Warren? Vous êtes James Warren, n'est-ce pas? Et même, qu'est-ce que vous voulez? Je suis malade, vous voyez pas? Il y a une semaine environ, plusieurs personnes ont amené un homme inconscient au crématorium. Mais du coup, en gros, là, le moment où on en est, c'est que... Pourquoi je connaîtrais quoi que ce soit, moi? On doit retrouver une meuf. Et pour retrouver cette meuf, il faut qu'on fasse des plus ou moins des quêtes subsidiaires pour la pègre. Et là, on doit faire sortir quelqu'un de la ville pour qu'il nous dise où se trouve la meuf. Et pour ça, on doit retrouver des gens et... Lui qui s'est fait taper dans la gueule. Je sais que vous avez fini. Vous avez été blessé ce jour-là. C'est pour ça que vous êtes à l'hôpital. C'est lui, il faut enculer un hypoténus. Vous étiez censé incinérer, vous a assommé et a pris la fuite. Quoi? Mais quoi tu parles? Mais t'es ravagé. Je me suis cogné la tête. Tombé dans les escaliers. Mensonge. Je sais pour Jacques White. Vous aviez pour mission d'incinérer. Je sais pour Jacques Leblanc. Jacques White. Il s'était. Jacques Leblanc, mon ami. Alors dites-moi, qui vous a payé pour incinérer vif cet homme? Comment? Alors je dirais que le dire, il y a des guns. Je lui ai parlé. Mais c'est un peu plus calme que Kapsulov. Hein. Je le dis tout de suite, je préviens. Je peux rien dire. Si je parle, je suis foutu. Vous y passerez aussi s'ils apprennent que Jack White est encore en vie. Ce qui ah non non, Russian, il coupera pas mes blagues immondes. Pitié. Impossible. Non. J'ai pas demandé leur. Elles seront directement uploadées sur dans le code de YouTube. Michael, j'en suis sûr. Il parlait du Seigneur des Bois ou d'un truc dans le genre. Des Bois, t'es sûr? C'est tout ce que je sais, juré. Où puis-je trouver? Où elle se trouve, cette église? J'en sais rien. Putain. Il y a des trucs dans ce borg qu'il vaut mieux laisser tranquille. Tu m'étonnes, là on est bien d'accord. C'est pas grand-chose, mais merci quand même. C'était pas si difficile. J'ai répondu à vos questions. Laissez-moi tranquille. Au revoir. Au revoir. Alors, palais de la mémoire, qu'est-ce que j'ai eu de neuf dans le palais de la mémoire? Les fidèles voulaient incinérer Brutus.
Toutes les preuves mènent à une vieille église d'Oakmonde dont les fidèles vénèrent le Seigneur des Bois. Peut-être qu'un livre d'histoire pourrait m'éclairer sur l'église. Ok, donc il faut aller là où il y a des livres d'histoire. Ok, et non, ça marche toujours pas. Et il y a quoi dans une note? Ok. Okay. Bonsoir, je suis Hubert Bonisseur de la Batte. La Batte, je sais pas. Vous me dites, être tombé dans l'escalier, c'est qui celui-là? Non, mais en gros, oh là, un flingue dans un. Dis donc, un flingue dans un hôpital. Dis donc. Non, mais en gros, lui, il travaille dans un crématorium. Et il y a un chef de la pègre qui nous a dit qu'il était revenu de là-bas, en fait, qui était censé se faire cramer. Et en s'enfuyant, il l'a niqué lui. Et le truc, c'est que le chef qui nous emploie. Il a un double qui a été créé par le, je sais pas qui. ED est futur, on sait pas où il est là. Ça fait peur un peu. Ok, faut que j'aille où. Mais du coup, c'est bien plus calme que Capsulov, hein, je préviens. Oui, mais j'ai pas eu toutes les preuves, mais j'ai eu des preuves quoi. Cimetière. La bibliothèque, non? C'est profond. Non, mais faut regarder. En vrai, real talk here. Le jeu, il est bien. Le jeu, il est vraiment cool. L'ambiance, elle est sympa. L'histoire, elle est vraiment cool aussi. Elle prend pas au trip, mais elle est très intéressante, tu vois. Un flingue dans un hôpital, ça me rappelle une belle époque où il y avait beaucoup de barbecue. C'était le mode lancé par un moustacheux et vénère. 1990. Je pense que je raconte. Attends, c'est quoi? Blablabla. Peut-être qu'un livre d'histoire. Où est-ce que je pourrais trouver un livre d'histoire du coup? Non, pas là. Département de police, je ne pense pas. À la bibliothèque. Je vais mettre un repère. Hein. Je sais pas si elle est pas fermée la bibliothèque. Et il n'y a pas de point de TP, du coup je vais devoir y aller. À pied. Fais chier. Attends, y'en a un qui est là. Y'en a un qui est là, je vais le prendre pour m'approcher un petit peu. Ok. La bite. Oui. Non mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas débloqué. Ah si. Mais c'est bon, si j'ai débloqué, je suis un peu loin. Mais tranquille. Hop. Exact, le chibrax a du dul. J'y paye. Okay. La fameuse. Okay. Bah, je comprends que B44 soit parti, hein. Si on le prend là. Joue piétendre. Joue, je te fume. si on prend la main dans le sac, B44 à regarder un stream d'un jeu de leur concurrent, ça, au boulot, ils vont pas aimer. J'ai eu peur. Mais mec, j'ai cru que j'étais en zone infestée. Failli péter un câble. Si j'ai un mouchoir sur moi. Ok. Ouais, c'est bon, je règle. Bon. Par où je peux y accéder par contre, université là? Putain, les lumières elles sont jolies quand même. Ça va, Joe, il tourne bien. J'ai tout en high en plus. Normalement, ça passe. J'ai pas oublié de mettre le jeu. Non, on sait jamais, franchement, on sait jamais. L'erreur est humaine, ça arrive bien vite. Ah, le jeu il est vraiment pas moche en plus. Enfin, il a son esthétique. Je vois que monsieur est connaisseur. Ah, t'inquiète pas, qu'ici 95% ils sont connaisseurs très expérimentés. En tant que spec de la MF, j'aime la bite. C'est pas moi, c'est Rome tout. Avant de déformer mes propos. Ce gros déviant là. Qui avoue devant tout le monde être homogué. Bon, oh là, hey, tu peux arrêter de galérer s'il te plaît? Bonjour. Bonjour. What? Bienvenue à la bibliothèque de l'université d'Oakmonde. Is that shit, Nugo?
puis-je vous aider ? Charles Reed, détective privé. Ça te trouble pas qu'elle ait des trucs dans la bouche ? Qui sont pas être, censés être, dans la bouche ? Non ? Ici à Mégaforce, j'ai l'impression que ça aime la kikiette. Tout le monde aime la kikiette, je suis qui ? Kikiette, et voilà. Excusez-moi pour mon indiscrétion, mais est-ce que je peux vous poser une question ? Ma bouche. Ouais. Châtiment. Longue histoire. Ok. Pardon pour ma franchise, mais ce n'est pas légal, si ? Cela ressemble à de la... Châtiment. C'est légal. Oh, la ville de merde ! Oh. Châtiment, vous avez dit. Elle me tenir à carreau. Je dois consulter vos catalogues de livres. Bien sûr. Par ici. C'est tout ? Pas de paiement, pas de... Oui, bah oui, forcément qu'on aime le saucisson, donc c'est un signe. Non. Bibliothèque publique. Ça va. Ah, le zoom, j'aime pas. Bienvenue. Ah, ça me fait froid dans le dos. Ces mots sont une douce musique à mes yeux. Connard, moi. Cette ville ne donne pas l'impression d'avoir besoin de livres. Mais qu'elle ferme sa gueule. Pour le feu. Salope. Que la bibliothèque soit en si bon état. Monsieur Throgmorton, donation. Permet de garder tout en état. Vraiment ? Je n'aurais jamais cru ça. Il le prend vraiment beaucoup trop mal. Je peux pas. Les bouches cousues, je peux pas. Les gens ont besoin d'espoir, de divertissement, d'évasion. Maintenant plus que jamais. Cette bibliothèque n'existe pas. Mais non, c'est pas 100% cousu, tu vois. C'est juste cousu large. Enfin, c'est dégueu. C'est mal foutu. Mais non, c'est pas mal foutu, je trouve pas. Au revoir, Jerry. Y'a rien qui clip, ni rien. Oh, pardon! Voilà. Tu m'en veux pas? Ah, mec, c'est dégueu! Mec, regarde! Mettons-moi en profil! Oh, tu es belle! Oh, prends une autre pause là, prends-moi en profil! Oh là là, oh, tu es belle, ma chérie! Oh, tu es belle, ma chérie! Oh, tu es magnifique! Oh oui! Oh, c'est une magnifique jupe de grand-mère qui sert de rideau! Ok. Un petit côté Baraka, ouais, que je déteste. Il est horrible, Baraka. Putain, il est immonde. Alors, ok, ça c'est ma touche yeux de sorceleur. Donne tout. Ah, mère pose. Ah, t'es belle, chérie. Je peux piquer ses sous. Je ne peux pas. Ok. Alors. Ah non, James Warren. Attends, je dois parler à James Warren, l'employé de service. Non, je m'en fous. Attends, c'est quoi qu'il faut que je cherche là? J'ai oublié. Un livre d'histoire qui pourrait m'éclairer sur l'église en question. Ah, faut que je sois un livre d'histoire? Ah merde, attends. Ah, c'est ça. Alors, catégorie histoire. Liste de lecteurs, auteur. Période ancien. Fuck. Région locale. Autre. Bah. Attends. Un livre d'histoire. Ah, religion. Auteur et période. Peut-être ancien. Ah. Ouais. Peut-être pas auteur du coup. T'as entendu la dame, elle dit ta gueule. Ouais, bah en même temps, elle a un peu de mal à parler, la pauvre. Attends, merde. Un livre d'histoire, ouais, mais liste de lecteurs du coup. Et ancien. Bah merde. Région locale. Ouais. Éditeur. Ah, mais c'est pas possible que ce soit moderne. Ah merde, je vois pas quoi mettre là. Je suis un peu perdu. Ah, mais attends, peut-être. Voilà. Bah merde. Non, local, c'est sûr que c'est local. Catégorie. Ouais, bah religion. Merde. Vous avez pas des idées ? Sur quoi mettre ? Parce que.
livre d'histoire pourrait m'éclairer sur l'église en question, parce que... Enfin, livre d'histoire, histoire, du coup. Oh, putain. Ok. Bon, bah, change d'idée. L'église de la Rédemption était un autre lieu de culte important d'Oakmont. Ses membres vénéraient Kay, qu'ils appelaient le Seigneur des Bois, le berger des brebis perdues. L'église de la Rédemption était jadis la plus grande congrégation de la ville, mais a perdu en influence après la fondation de l'église du Buisson Ardent de Saint-Michael. Saint-Michael. Saint-Michael, il porte des lunettes et il a une snapback. Putain. Que codard. L'église de la Rédemption existe encore aujourd'hui. Au centre de Salvation, au centre de Salvation Harbor, sur March Avenue, entre Polaris Road et Old Church Road. Ok. Oula, la faute. Quelle faute. Les livres d'histoire ne disent pas quand Toulouse s'est réveillé. Ah oui, d'accord. Ouais, la faute, je vois. Je crois que tu parlais sur le jeu. Ça arrive à tout le monde, t'inquiète pas. De toute façon, personne ne sait quand Toulouse s'est réveillé. Bien connu. Et quand tu l'apprends, tu peux pas écrire de livre, après. Alors, Rédemption existe encore aujourd'hui. Son Salvation Harbor. Ok, et Old Church. Attends, je vais voir une carte. Salvation Harbor. Red Heights. Shell Square Side. Salvation Harbor. Il y a l'église, non? Non, il n'y a pas l'église. Polaris Road et Old Church Road. Ok, merde, parlementaire, je m'en fous. Ah si, attends, j'ai un point de compétence à foutre. Quand vous êtes proche de la mort, générez lentement un nombre limité de PV en livrant un dernier combat. M'en fous. Il y a plus d'épisodes de garder. Ah bah oui. Bien sûr, je vais prendre. Ah, ça choque. Alors. Polaris Road et Old Church Road, ok. Merde, bien. Polaris. Polaris Road, ok. Old Church Road. Ah bah c'est là, ok. Oh, il y a un point de TP que j'ai débloqué en plus. Parfait. La compétence de Overwatch. Ah non, gardez sa folie un peu plus longtemps, par contre c'est... Très loin de... j'ai pas trouvé. Qu'est-ce que j'ai fait? Merde, il y a un truc qui a bougé sur mon stream. Non, ok. Je suis complètement fou, messieurs, dames. Merde. Non, qu'est-ce que ça le repère? Hop. Putain. Eh mec, tant mieux que j'ai trouvé le point de TP, sinon je me serais coupé une couille, sérieux. Live. Ah, j'aurais été acheté une caméra, volé une caméra chez quelqu'un, j'aurais branché tout ça. Et let's go business. Yeah. C'est bon. Normalement, elle est censée pas être... Putain. Ça va être pas loin. Ah, je cherche pour la réseau, elle est censée être là quoi. Ça pue un peu du yonf, pas te mentir. Ok. L'église de la Rédemption, fondée en 1667. Repentez-vous de vos méfaits et trouvez le salut auprès du Seigneur. Vous avez compris? Vous avez compris le chat? Faites pareil, bande de déviants. Ah. La porte refuse de bouger. Ok. Attends, c'était fermé à cadenas. J'aime pas ça. J'aime pas ça, moi. Oh là là là, j'aime pas ça. Y'en a un qui bouge, le fume. Y'en a un qui bouge, le fume. Je passe en Bretagne, j'aurais bien aimé, mais absolument pas. Le jeu se passe aux États-Unis, dans la ville d'Oakmont, qui est fictive, bien entendu. Bon, stream à tous et bisous. Ah, qu'est-ce que ça? Merci de passer, poteau. Message de l'église. Hilda a échoué dans sa tentative visant à amadouer le maire. Il n'a pas cédé à ses promesses de vie éternelle, tâchant donc de renverser un peu de mercure sur son lit pour rendre notre proposition plus attrayante. Ok. Ok, le mercure, si. Ah, merde. Ok, le mercure, dans le lit, pas de problème.
J'aime pas les mains, les petites traces de sang là, ça me... Ça ne me dit rien qu'il vaille. Oh, il y avait plein de merde. Oh, il y avait plein de merde. Attends, peut-être craft viteuf. Inventaire. Ok. J'ai de la vie. Ah, j'ai plein de vie. Ah, je vais terminer, je crois. Pardon. Sinon, des aiguillons et des pièges. Je peux pas en faire d'autres. Ah, les 25. Voilà, ok, normalement c'est bon. Voilà. Ok. Excuse. Pardon. J'ai fouillé. Oh, je vais jouer. Coucou Poon. Ah bah t'as loupé la fin du premier jeu. Si dommage. Ça va Poon? Ah. Je t'en supplie personne. Ok. C'est pas rassurant du tout. La porte refuse de bouger. Oh sa mère la pute. Oh sa mère la pute, j'aime pas. Oh, on va devoir aller sous l'eau. On va aller devoir aller sous l'eau en combinaison, ça me dit absolu. Mort rien qui vaille. je l'ai dit, hein, j'ai vu un truc, je le fume rien. Mais ça, j'ai garé. Nos fidèles membres au département de police ont recruté deux nouveaux agents dans nos rangs. Nous devons les préparer pour leur rencontre avec notre mère féconde, la grande fille du seigneur des bois. De quoi ? Mais vous avez fumé. Ok, bon là il n'y a plus rien. J'ai ramassé les clés quand même. Je vais voir en haut le message du coup. Oh, des cartouches. Alors c'est quoi? Alors, journal du prêtre. J'ai brûlé la sorcière tentatrice, ma fille. Mais elle est revenue. Pas normal ça, dis donc. Tout puissant, n'es-tu pas satisfait? Elle est encore là à moquer ma faiblesse. Son corps ne lui appartient plus. C'est le ventre du bouc, la pondeuse de l'enfant du diable. Elle est à moi à présent. Ni le diable ni les hommes ne pourront la toucher, car j'ai abattu sa chère pécheresse. Comment est-ce possible? Elle est revenue, née de la famille impie qui habite son corps. Elle murmure, me promet que l'on sera ensemble. Ils m'ont pendu, moi, son père. Un effort futile. Cette même nuit, je suis revenu par la grâce de ma chère fille. Ah, ça a l'air... Une belle famille, dis donc. Ah, c'est... Il aime l'humour, le garçon. Celui-là s'est fait dévorer comme un vrai morceau de viande. C'est quoi, du coup, l'histoire, là? En résumé, très vite, off. Poon, il y a 6 heures à résumer, là. Très vite, off. Est-ce qu'il y a des trucs... carte note, fais voir. Non. Il n'y a pas un résumé? Pourquoi ils font pas résumé pour les streamers dans leur jeu à la con, là? Putain. Il n'y a pas de résumé vite fait là. Très vite, enfin beaucoup. Non, alors en gros. Attends, j'ai remis ça. En gros. Ah putain, tu veux que je résume tout depuis le début? Ou tout depuis genre le dernier stream? Ah, mais c'est quoi ce goût? Oh, une odeur que je commence à connaître. Comme un putois mort depuis un an. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on a croisé avec avant et c'est pas beau. Ouais, c'est pas ouf. Ouf. C'est depuis le début. Mec, là, ça m'a pétrifié. Quoi? Bah genre juste, c'est quoi ce que tu dois faire? Bah alors là, du coup, en gros, je dois retrouver une scientifique qui est perdue quelque part. Et pour ça... Il faut que j'aide un mec à sortir de la ville
Et pour ça... Et pour ça, il faut que je comprenne pourquoi le chef de celui que je veux faire sortir de la ville, il a un double. Voilà, on en est plus ou moins là. Bah, attends, ça, je peux, ça c'est écrit de toute façon. Ouais, c'est chiant. Des dinosaures dans mes œufs. Mais qu'avez-vous fait? Non mais c'est con parce que à résumer, c'est la croix et la bannière, sérieux, c'est chaud de ouf. Alors en plus, tu me connais, les résumés, c'est ce que je préfère. C'est quoi ça? Mais c'est con parce que le jeu, il est vraiment très intéressant, l'histoire, elle est intéressante de ouf, si je trouve. On punit les carpenteurs pour leur péché. Ah, les carpenters. Vous pouvez pas construire une église ici. Ok. Bien. Que cet endroit soit notre héritage. Que les malheurs qui ont frappé les Carpenters soient oubliés. Et que l'espoir les remplace. Et c'est quam videri. Et c'est quam videri. Oui, oui. Je suis italien. Ok. Putain, il est où ce con? Merde, il est de côté. Tu t'expliques des choses. Oui, le fameux John Carpenter. Merde. Dépêchez-vous, révérend, je vous en prie. J'ai tout perdu dans cet incendie. Ma maison, ma famille. Pas besoin de réciter tous les foutus noms. Tentons de découvrir ce qu'il s'est réellement passé ici. Je dirais un. Dépêchez-vous, révérend, je vous en prie. J'ai tout perdu dans cet incendie. Ma maison, ma famille. Pas besoin de réciter tous les foutus noms. Non, c'est quand ils l'ont inauguré, non? Vous ne pouvez pas bâtir ici. L'endroit est maudit. Les cieux ont puni les carpenteurs pour leur péché. Vous ne pouvez pas construire une église ici. Bien. Que cet endroit soit notre héritage. Attendez-vous, le quatrième. Que les malheurs qui ont frappé les carpenteurs soient oubliés. Et que l'espoir les remplace. Un acte 3. Et c'est quam videri. 2 et 3, non? Vous ne pouvez pas bâtir ici. L'endroit est maudit. Les cieux ont puni les carpenteurs pour leur péché. Vous ne pouvez pas construire une église ici. Ah, c'est ça, oh putain. Les Carpenters se tenaient ici. Jusqu'à ce qu'un incendie le réduise en cendres, tuant presque toute la famille. L'église a été bâtie sur les ruines. Oula, 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 oula. Tout va bien, tout va bien, tout te calme. Tout bien, tout bien. Ok? Tout bien. Alors. Ah non, pas là, si. Non, vraiment pas la mémoire. Je vais aller voir en bas du coup. Ah, ça. Le loot est là. Oh, Gucci. Merde. C'est quoi mon objectif là? D'accord, juste explore encore. Bon, bah, j'avais au sous-sol, hein. Dans l'eau. Bon, c'est à ce moment-là où je me chie dessus. En bon état et prêt à l'emploi. Non? Tu peux y aller? En bon état et prêt à l'emploi. Non? Il y a me troubler là. Bah ouais, non, il y a juste un quai. Okay. Alors, je disais, ouais, c'est trop bien, j'ai trouvé la suite, mais... Mais du tout, en fait. Bah merde. Ouais, blablabla, blablabla. Bah.
J'ai pas tout trouvé encore. Bah merde. Y'a pas un endroit secret à la con encore. Genre caché derrière un faux mur. Y'a encore un truc comme ça. À peine stressant. Attends. C'est bien. Attends, j'ai pas trouvé l'indice principal. Ah, peut-être dehors du coup, je suis con. Peut-être dehors. Salut M2O ou quoi? C'est vrai que j'ai pas été derrière. Bah non, y'a rien. La merde. Et qu'est-ce que je loupe? Je ne vois pas ce que je loupe. Non, y'a rien ici. Je ne suis pas un aussi bon détective que ce que je l'aurais pensé. Et oui. Pas que je cherche des trucs non plus, non? J'ai envie quand même. Ouais, mais ça c'est du loot ça. Je suis perdu. Je suis. Ah, y'a un coffre. Ouais, non, bah, je suis perdu. I am Tolali. Tolali. Celui-là s'est fait dévorer comme un vrai morceau de viande. Mais pourquoi ça s'est fermé à clé et. En bon état et prêt à l'emploi. Payé, je vais pas me piquer une tête là vite fait. Ah mais ça se cache dans l'église, mais où? J'ai tout fouillé. Ça j'ai vu. Ah, oh, une odeur que je commence à connaître, comme un putois mort depuis un an. Mais je suis même pas le briser en plus. Je sais même plus. Ah merde. Mais putain, c'était bien parti. Forcément que ça se galère. Forcément que je me galère quoi. Y'a pas un mur caché là, viteuf. Stop-les. Faire bubu dans le bénitier. Attends, en plus je peux pas. Ah, je vais m'amener en torche. Ouais, bah attends, bah là je. Là je. Je suis perdu. Ah, j'aurais peut-être dû. Ah, putain. Oh, ouais, mais c'est pour une quête secondaire, ça, non? Ton pied, une affaire délicate. Ah, non. Ah, oh, j'aurais peut-être dû. Oh putain. Attends, parce que j'ai juste regardé la soluce pour continuer au début de stream, tu vois, pour pas me galérer. Ah, mais ça a pas de rapport. Quelqu'un peut chercher ce qui me manquerait. Et si c'est lié à ce qu'il faut que je donne des patates à un mec, je vais péter un câble. Si c'est un truc caché, je le vois juste pas. SVP, je vous en supplie. J'en supplie, sinon on va rester dans une église et je commence à avoir ma peau qui tombe. Et j'aime pas ça. Ah merde.
Putain, j'étais persuadé qu'il fallait prendre le... l'armure de mer. C'est quoi le nom du jeu que tu fais? C'est The Sinking City. Et la quête, c'est père et fils. Parce que j'ai... Enfin... Merde, hop. J'ai clairement pas trouvé l'indice. Enfin, au moins l'indice principal, comme ça, tu vois, c'est... Sauf que j'ai l'impression d'avoir tout fait, là. Merde. Celui-là s'est fait dévorer comme un vrai morceau de viande. Ah, tu vois, normalement, tu vas là-dedans et hop, tu plonges, tu vois, et ça continue, mais... Enfin, c'est ce que j'aurais dit, tu vois. Et je loupe pas une lettre à la con, là, qui me dit « Ah oui, dans la merde non, loup !» Bon, en attendant, je loot. Ça va encore être tout con. Mais bon. Non, mais j'ai ramassé en plus. T'as trouvé la caisse. Quelle caisse? Dans l'église? Dedans l'église? Je crois pas, non. Bah, c'est dehors, j'ai vite fait tourner quoi, mais. Attends, je vais faire un tour dehors. Ça se trouve, ça compte. Non. Une petite caisse. Where are you, les petites caisses? Les petites caisses. Ouais, Bob les dentés, mais c'était avant ça. Là, je suis après avoir trouvé le. Merde. Je suis après avoir trouvé James Warren. Je suis à l'église. Du Petit Bois. Non, merde, de l'église de la Rédemption. Ah, parce qu'il y a que d'elle dehors, je suis pas fou. Mec, le jeu il me rend fou. Pour de vrai. Bah. Lis le panneau à l'entrée, bah c'est fait. C'est fait, j'ai lu, ouais. J'ai lu et j'ai tout fouillé, j'ai résolu l'énigme même. Dans le bon ordre. C'est pour ça que je comprends pas. Ah putain. Non mais c'est bon, j'ai... Mais bon, c'est bon, Cimer, en fait. Oula! Oula, vite, merde. Vite, injecte-toi de la Marie-Jeanne. Ah, mais il est vraiment là ce chien! Mais attends, mais... Ah, ils étaient invisibles! Oh là là là! J'ai failli crever. J'en reprends une petite parce que là c'est chaud. Qu'il en reste une à l'étage et ça partira en coup, j'imagine. Ok, recharge. Ah, dit que. Bon, c'est parti! On continue. Je sais pas... Ah, si, ça déjà. Ah, mais vas-y! Je crois que le pouvoir, ce pouvoir-là, on l'utilise quasiment jamais. Enfin, c'est juste la vision, mais... Ouais, la vision, on l'utilise, mais le truc pour... avec les symboles, là, je crois que c'est la deuxième fois que j'utilise en jeu. En plus, je viens fou.
Ok, mon palais de la mémoire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Les fidèles voulaient incinérer Brutus. Le Ziggis, c'est une secte. Ah! Ok. Dude. That's fucked up. Ah, il y en a encore un. Putain, il y en avait deux! Ah, c'est la première fois qu'il y en a deux. Alors. Ok, là. Tâchez de tout récupérer. Vous ne voudrez pas que quelqu'un vienne lire tout ceci quand nous serons tout en bas. Non, non. J'espère que c'est le premier. Les astres sont alignés. Et une Il y a énormément de monde. Cycle commence. L'heure est venue pour nous de retourner dans le ventre de la mer. On se croit dans l'antre de la folie. Mes frères et sœurs. Bah plus ou moins du coup. plus ou moins vu que... Enfin oui du coup. Alors j'imagine que ça c'est le 1. Ah merde, faut que je trouve les 3. Ah oh, fichu, je suis con. J'aurais dû aller en bas d'abord. Bon ça j'imagine que ça c'est le 1. Ça c'est le... Ah non, il y en a 4. Bon bah ça c'est le 2 parce qu'ils ont caché tout le bordel insalubre. 3 et 4. Attends, c'est quoi ça? Emmenez-les au crématorium. Nous les détruirons avant de plonger. Ah! Pas la peine d'attendre, je vous rejoindrai. Tentons de découvrir ce qu'il s'est réellement passé ouais, ici. Ouais, donc c'est 1, 2, 3. Ah, je sais pas. Ah merde, je sais pas. Je sais. Ah bah attends, je vais tenter. Je pense que ça fait 1, 2, 3 et 4. Mais je suis pas sûr. Genre, je dirais bien la prière. La descente. Ah, mais. Si, la descente pour cacher, ensuite cacher les cadavres. Et après s'enfuir dans les marées basses. Les astres sont alignés. Ça me paraît une nouvelle étape du cycle. Pas si con que ça. L'heure est venue pour nous de retourner dans le tâcher de tout récupérer. On ne voudrait pas que quelqu'un vienne lire tout ceci quand nous serons tout en bas. Alors ensuite on cache, ouais voilà. Crématorium. Ensuite là. Pas la peine d'attendre, je vous rejoindrai. Yes. Un groupe de fanatiques qui opère depuis l'église de la Rédemption. Ils ont fait disparaître plusieurs corps et ont pris tous les documents qu'ils pouvaient avant de plonger. Bon, bah je crois qu'il va falloir plonger. Oula, oula, oula. J'aime pas avoir des hallucinations, poteau. J'ai dit j'aime pas. Bah il est mort. Attends, les notes vite fait, hop, voilà. Alors, les archives de l'église ont disparu. Oui. Les archives emportées par le sectaire sont mon seul espoir de découvrir qui a trahi Brutus. Et ça, j'ai déjà fait. On peut pas. Ouais, on peut pas. Ok. Ah, y'a un nouveau carré de notes. Ah, d'accord. Il faut plonger. Voilà. Ah, si, c'était quand même. Enfin, c'est. Oh là là, j'aime pas par contre. C'est dommage que Scan et Momo ils soient pas là. Ils auraient adoré ce petit passage. Oh là. Je me fous de leur gueule un peu vite là. J'ai eu un léger vent dans le dos. Aime pas ça. Aime pas ça beaucoup. Est-ce que le son est assez fort? Ouais, je pense que le son est assez fort. Alors. Let the Lord of the Woods or your eyes guide you. Voilà que non. T'es pour plus d'infos. Le harpon. Ah, j'ai un harpon. Oh, quel bonheur. Mais quel bonheur. Harpon, des fusées, maintenant c'est bon, impression. Ok. Oh, c'est rigolo! Oh, c'est rigolo, j'aime bien! Pardon! Je peux. Non, ok. Faut que je l'assemble? Ouais, forcément. J'ai bien fait de me reprendre une petite picouse pour éviter la folie directe parce que ça va être la merde là, j'ai l'impression. Quoi? Je sais pas ce que c'est. Ah si, ok. Oh là là, c'est périlleux l'entreprise là. Non? Ah si, je peux grimper quand même.
Allez, allez, gros cul. Ok. Ensuite, faut m'indiquer le chemin, de toute façon. Mais bon, tu peux aller que là, donc... c'est gentil quand même, c'est gentil quand même. Oh, là, hey, ouais, glisse pas, glisse pas. Putain. Mais putain, hey, c'est de la merde. Voilà. Autant tailler des vrais escaliers, pour le coup, ça m'aurait moins fait chier. J'aurais pas trouvé ça plus con, d'ailleurs. Y'a un truc là-bas? Y'a un truc là-bas? Non, ok, j'ai rêvé. Oh, le gag! Le gros gag! Ça va faire poutre. Je vais pas beaucoup aimer. C'est une fusée ou non? Ok, bon, bah, je sais pas ce que c'est, mais il fait infini de toute façon. J'ai vraiment peur qu'il peut sortir à tout moment en fait. Alors ensuite là-bas. Ok, ça commence à devenir un petit peu plus. Un peu plus tendax, ouais, j'ai. Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! Mais je suis pas dedans! Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, je vais vous faire la carte. Je suis un peu la pression. Oh, un pouple! Oh, y a un pouple! Oh, il est beau le pouple, là, putain. Oh, il veut me bouffer le pouple! Ah, il est dégueulasse le pouple! Casse-toi de là! Ouais, non, 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 mais fuck la faune maritime! Dégage! Ah, horrible! J'adore son design, mais oh, dans le cul! Attends, mais il me saoule ce con. Mais... Oh, ça cherche tout seul. Casse-toi. Ah, ça c'est une fusée, ça. Ok, donc il est invincible, j'avais l'impression. C'est par là. Et voilà. Ok, là c'est la merde. Ouais, en plus je deviens fou à moitié. Oh, c'est joli. J'ai pas le temps d'observer le dessin. C'est très très... Oh là là, il y a des nichons sur cette dame dessinée. C'est rien qui va. Il y a rien qui va. Gratuit. Il est gratuit. Ok, ma sanitaire monte. Oh yes, on va vers du vert. J'adore. J'adore le... l'ambiance comment dire, l'ambiance des couleurs de ce jeu. J'arrive, c'est du noir, mais le vert qu'ils utilisent, je l'aime beaucoup. Il y a un mec là. Ouais, il y a des mecs là. Il y a bagarre. Il y a bagarre, je suis chaud, hein. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Vous avez l'air d'une plaie béante. Oh là. Vous-même. Ouais, bah, vous n'êtes pas exactement un prix non plus. Imbécile. Oh, c'est bon, t'es facile. Tuez-nous, et d'autres fidèles viendront nous remplacer, tout droit sortis du ventre de la mère féconde. Visqueux, nu, mais doué d'une nouvelle force. Nous avons des yeux partout dans cette ville, et des mains. Nos paroles résonnent dans l'esprit du jeune Graham, et bientôt il sera creux. Graham sous le jeune Graham. Qu'avez-vous dit? Sa maison est divisée, elle tombera bientôt. Le fils doit succéder au père, telle la pousse qui s'extirpe de la pourriture. Nos racines finiront par étouffer le soleil lui-même. Ouais, non. Sèmeront les... Il y en a qui l'utilisent, le soleil, là. La mère féconde donne une vie nouvelle. Tu te calmes. Vous auriez dû rester au-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
veut me faire lui. Ah non, ah, je les ai assassinés pour rien en fait. Qu'est-ce que c'est que cette merde, sérieux? J'ai pas des grenades là? Ah si, il veut me faire lui. Putain, ce... J'ai 8 balles, c'est la merde. Je sais pas, j'ai aucune idée si je l'ai bu. Ah bah non. Ah! Ah! Ça explose! Très vite! Dans mes mains! Ok. D'accord. Ok. Bah pourquoi faire compliqué quand on peut faire extrêmement simple. Oui. Mais qu'est-ce que c'est, Dai? Qu'est-ce que c'est? J'essaie de pas les fumer parce qu'ils sont juste fous. Bon, ça one shot. Ok, j'ai l'impression d'avoir fait des dégâts. Oh putain! Oh mais donc, ok, boss fight. Enfin, oui. Mais poussez-vous, bande de cons! Voilà. Oh, c'est dégueulasse! Oh, c'est dégueulasse! Oh, ça va être compliqué. Oh, si je veux pas les fumer, ça va être compliqué. J'aimerais bien les garder en vie. Parce que j'ai l'impression que les tuer ça sert à rien. Je sais pas si. Je peux lui lancer une grenade. Ok, donc la grenade elle a marché. Ok. Attends, je vais voir si je peux. Je vais crafter toutes mes grenades déjà. Oh, il y a un truc là. C'est pas le moment. Oh putain, j'ai pas de morceau de métal. Ok. J'espère que ça va pas les crescendo, les gars, les mobs. Ceci est de plus en plus gros. C'est la merde. Okay. Non, je vais. Merde, je vais pas toi que je vais tirer. Y'en a plein, y'a plein de monde, y'a trop de monde. Oh putain. Salut, ça vaut quoi? Attends, je sais pas ce que c'est cette merde. Oh putain, je suis bloqué. Ah, donc y'a du cadavre. Et... Zombie de Call of. Merde, ça fait clic-clic. C'est même pas un boss de fin, hein. c'est juste un boss. Voilà, et ça c'est fait. Je me mets tout de vie. Non, trop tôt. Enfin, trop pas assez loin. Mais ramasse-le. Eh mais ça touche? J'ai l'impression que ça a touché, ouais. Ah non. Dans ta mère. Ouais, ça promet pour le boss de fin. Ah, je l'ai vaincu. Ils arrêtent de me faire chier ou pas? Eh les gars, arrêtez de me faire chier. Arrêtez. Hop, attends.
Tu sais quoi, on va tester les pièges. Merde, aïe. Tiens, viens là. Mais non. Mais non, tu mens par contre. Voilà. Hop. Ah, ça les tue même pas. Bon bah... Faut tuer des gens. C'est parti. Moi je joue. Voilà. Allez hop, Fumax. Que 300 XP pour leur truc. Leur espèce de mer. Ébé. J'aime pas comment décrire le truc. Jusqu'ici, le vieux Brutus a refusé tous les présents du seigneur des bois et de la mère féconde. Ouais, leur mère féconde, là. Voici notre chance de changer Oakmont pour de bon. Aider le fils, Graham, à se débarrasser du père, et toutes les rues de la ville s'ouvriront à nous. Si Graham refuse de coopérer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ah, ça, j'ai plein de missions. Belle facture. Pas donné. C'est tout ce que tu penses. Oh. Ah, oh, une odeur que je commence à connaître. Comme un putois mort depuis un an. Vous êtes ma maman ? Où est ma maman ? Vous avez quelque chose à manger ? J'ai faim. Qu'est-ce que vous préparez ? Un bon cassoulet ! Vous avez quelque chose à manger ? J'ai faim. Oui, oui, il n'y a pas de carte, je sais, mais... Alors, attends. L'église peut contrôler Graham. Graham a conclu un pacte avec l'église. Ah, non. Bah, merde. Ah. La secte compte se servir de Graham pour accroître son influence dans Oakmont. Ouais, mais attends, c'est pas fini. Fidèle veut... Voilà. Graham souhaite remplacer Brutus. Graham est celui qui a tenté de se débarrasser de Brutus pour prendre sa place en tant que chef de famille. Ok. On y en a que la main. Ouais, ouais, si, si, une seconde chance pour Brutus. Ok, et c'est tout. Ouais, juste les carpenteurs. Ah, mais ça, c'est peut-être avec l'autre. Merde, je suis con. Il y a Dart et sa mère. Non. C'est pas comme ça que ça marche, MTE, je t'ai déjà dit. Il faut que ça ressemble à quelque chose. Avant. Ouais, mais faut que je me casse juste. Me tire, hein. Me tire. Y a pas du loot, par contre. Moi je serais une très gentille maman de toute façon. Antipsychotique, ouais, bah ouais, tu m'étonnes. On aurait bien besoin. Alors. Là, ou y'a. Y'a. Nous nourrirons la fille des bois. La chair des faibles, elle dévorera. Y'a. Chub Niggurath. Mais dis donc, mais c'est un nom que je connais ça. Mais dis donc. De toute façon, on est dans une idée. Mais dis donc. L'homme mortel est béni. Il peut toucher le ventre de la vie. Ya. De ses cendres, il renaîtra. Sous une nouvelle forme, l'homme mortel revivra. Ya. D'un millier de visages, il se munit. Vous avez beaucoup. Un millier d'yeux, de réceptacles, pour son esprit. Ok. Chant des bois cornus. Toutes les preuves. Oh, nice. Mythe. Ok. Ya ou la. Non, je dirais plutôt Ya, moi. Ouais, un an, pas. Déjà, je vais remonter. On va bien ce que ça me dit. Ok. Mec, les bases sous-marines. Les basques. Oh, oh, c'est trop bien! Oh, c'est trop kick! Oh, j'adore! Oh. Mec, j'adore le principe! J'adorais le principe? Oui! J'adore le truc, wesh! Déploie des petits ballons et hop, tu remontes! Ah. Bon, bah là, faut que j'aille. De voir Graham, du coup. C'est ça. Merde, pardon, j'avais pas vu. Hop, voilà. Ouais. On va charger tout ça.
Ok, hop, ça c'est bon. Ça c'est bon. Bon, du coup, bah, on va retourner voir le con. Normalement, il y a un point de TP pas loin de toute façon. Ah, voilà. Parce que là, j'ai tout. Ah, j'ai pas tout. Bah, je t'ai pas fumé, toi. J'ai pas tout. Mais attends, j'ai fouillé de fond en comble ton bordel. De quoi j'ai pas tout là? Bon, de toute façon, j'ai le principal. Le reste, on s'en fout. C'est sa preuve clé récupérée. J'aime bien être dans le vert, moi, toutes les preuves. Il doit manquer un truc à la con. C'est là chez Graham. Manoir des Carpentés. Ouais, et là, c'est quoi? Herbert Glover. Ah, mais je peux pas encore y aller, je crois. Attends, je vais aller là et je vais voir ce qu'il faut faire. Déjà, j'essaie de rendre les patates à celui qui l'a péta, qui les a piquées. Moi, ça sera ça de rendu. Et ça, je peux toujours pas y aller, de toute façon. Non, c'est pas chez lui. J'ai l'impression que c'est une quête secondaire pour sa maison. Bah c'est ça. Normalement c'est encore faire, ça devrait être encore faire ma clé. Bon, déjà, voilà. Ah, c'est... La porte refuse de bouger. Et puis bon, en pleine journée, cambrioler des trucs pas ouf, pas ouf. Ah! Ah! Bonne chance! Ouf, dure la journée pour elle aussi! Y'a un truc là? Ah, non, juste une réflexion. Oh, petit sauvegarde. Normalement, il est pas loin le voleur, je crois. Il est pas là ce con normalement. La merde. Ah il est peut-être... Il est là non? Merde il était là. Il est parti où? C'est la merde. Elle a gagné une poupée, ouais ben... Oui, bah elle a gagné 300 000 euros aussi à ce tarif-là, si tu veux. Ouais. Ah merde, je sais pas où il est du coup, parce que normalement... Pas ça. Non, pas ça. Si. Bon bah... Bon, c'est pas grave. Elle parlait à Graham, du coup. Re-nick-nick. Vous n'avez pas du travail à faire. Je t'encule. Y'a un bruit comme ça? Ah ouais, ni... No good gay. N'était-ce pas vous qui qualifiez Robert d'adorateur de primates, Brutus? Qu'est-ce que tu fiches, gamin? T'as cru que t'avais 400 ans ou quoi? Alors, je suis perdu. Je suis perdu. C'est des Russes? Absolument pas. Ça c'est pour une quête secondaire, je crois. Le cimetière, qui est rempli, qui est infesté de merde. Ça, pareil.
Demande de Fred, la vieille Bob édentée. Ouais. C'est là. Ouais, bah, mais je l'ai fait. Ouais, mais... Ouais. Ça s'est fait. Ouais. Ok. Jusqu'ici, le vieux Brutus a refusé tous les présents du Seigneur du Bois de la mère féconde. Sachant qu'il a changé Hawkmond pour de bon et de le fils Graham à se débarrasser du père. Peut-être... Ah, peut-être... Attends, il loue le père. Il loue le père Graham. Ah, peut-être que j'ai eu Seven Oaks. Non, attends. Si, je crois, parce que c'est caché. Merde, il y a eu le point de TP. Le point de TP. Voilà. Ouais, là, je suis un peu perdu là. C'est un peu trouble. Je sais pas où il est Graham en plus. Je sais pas c'est lequel. Je sais plus c'est lequel. Surtout. Et vu qu'ils veulent tous me rien dire, bah, qu'ils aillent se faire foutre. Putain de rat la con. Attends, mais peut-être que je peux l'ouvrir par la pensée, sa porte de con, non? J'avais pas fait gaffe, mais Non, c'est pas celle-là, celle de côté. Ouais, celle-là. Pas moyen de... La porte refuse de bouger. Oh là, belle réflexion, dis donc. Oh, et puis là, c'est pas la peine. Ouais, non, c'est pas la peine. Bon, ça, je pense que ça doit être lié avec l'avancement du scénar, mais... Oh! Bah quoi? Attends, c'est ouvert maintenant? Attends, je suis où, là? Bah, c'était pas ouvert avant. Ah, si. Attends, quoi? Ah, mais non, il y avait pas un truc avec les têtes, là. Oh, attends, parce que là, c'est énigme sur énigme, mon pote. Je vais pas réussir, moi. Mon cerveau, il va exploser avant la fin. La porte refuse de bouger. Rien. Il y a forcément un truc à un moment, c'est obligé par contre. Il y a forcément un indice. Ah. Ok, c'est terrifiant. Ok. Putain, mais je suis revenu là ou quoi? Merde. Oui, merde. Ah, mais là, c'est juste la carte. Putain, c'est tellement cryptique. Ah, si c'est beau compliqué, je sais. Les yeux toujours grands ouverts. J'imagine qu'il n'a pas vu venir le coup fatal. D'accord, mais c'était pas là tout à l'heure. Ça m'a terrifié, poteau. Au moins j'avance avec quelque chose, hein, avec quelque part. Squint,
secours! Oh, Barkay! Je l'ai tué! Une VF à toute épreuve! Le coup le plus facile du quartier. Tu prends le miroir et je vais voir si on peut soulager Monsieur Plein aux As d'un ou deux bibelots en plus. Bon sang! Qui êtes-vous? Et que faites-vous dans ma maison? Voyons voir ce qu'on a ici. Classique. Un. Le coup le plus facile du quartier. Deux. Bon sang! Qui êtes-vous? Et trois. Et que... Squint, cours! Oh, Barkay! Viens, putain, on s'y croirait! Je l'ai tué. Mec, comme à la maison! Deux hommes sont entrés pour voler le miroir. L'un, Squint, a forcé le coffre-fort, mais Glover l'a pris sur le fait et lui a décoché une balle. L'autre a tué Glover. Preuve clé récupérée. Ok. Fais voir carnet de notes. Mais c'est un truc secondaire! Je m'en fous! Je m'en fous! On dirait qu'il manque une pièce à la collection. Un des miroirs a disparu. Je me pique pour prendre de la vie et prendre des trucs qui me feront oublier ma sanité. De légères éraflures autour de la serrure. Celui qui l'a crocheté savait s'y prendre. Six balles. Un peu trop pour des coups de semonce. Mais, oh putain là. Mais du coup ça m'avance pas en fait. Mais c'est quoi les picouses? Bah, en gros t'as des picouses de vie. Ah, c'est quoi les picouses? Bah... C'est des seringues quoi. Ouais, c'est des seringues. T'en as une pour la sanité et une pour la vie. Ouais, donc ça c'est quête secondaire. Je m'en fous. En fait. Allez, je suis toujours autant paumé. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Je suis vraiment paumé en fait. Attends, je vais aller revoir Brutus. Je vais aller revoir Brutus. Et peut-être que là, ça va me dire, me faire avancer. Mais j'ai complètement oublié comment on allait voir Brutus. Hop, normalement c'est au bar. Je crois que j'étais allé au bar la première fois. Ah, je t'avoue que là, giga trou noir. Attends. Voilà. Choisissez votre poison. Je veux parler à Brutus. J'en ai marre. Ah. Ah. D'accord. Mais t'es pas là? Ok, c'est apparemment pas ici. Une suze. Ah, je voudrais une bonne suze. Bien fraîche. Vous êtes le type qui a fait péter une durite au patron. Oh, c'est terrifiant. Caleb n'imaginait pas qu'un étranger le ferait passer pour un crétin devant Monsieur Throckmorton. Ce n'est pas ma faute si vous n'avez pas vérifié l'entrée. Ses yeux sont terrifiants. Sans rancune, l'ami. Oh, vous putain. Le tueur, c'était bien joué. Peut-être que vous pourriez m'aider avec une autre affaire. Encore une case secondaire. Moi, c'est Sam Shaw. Prenez un verre. Qu'on discute un peu. J'ai besoin de un peu plus que deux. Enfin, un que un. Prohibition pourtant. Ah non non, mais il ne vend que du définit jus, pas souvent. Du vieux jus. Jamais. Fermenté, okay. De quoi réchauffer le corps. Alors. Ouais. Une alcool de contrebande de prisonnier quoi. Très pas. Nous pouvons en discuter, mais je ne travaille pas à l'œil. Je m'en doute. Mais c'est pas bien compliqué, donc je peux. Ouais, c'est un croisement entre un Hélène de Marsataille qui et un homme poisson, quoi. Alors où se trouve la scène du crime? Dites-moi où trouver les corps.
C'est un facteur ou un Zinadian, hein, mec. Mais... adresse. Je te dis, c'est un croisement chelou. Des photos des victimes. Elle est belle, celle de la MTE. Connard. Travaille à l'œil. Et surtout, tâchez de rester discret. Au revoir. Prenez soin de vous. Bah, il a reçu, mais je m'en bats les couilles, sérieux. Vraiment, je m'en fous. Voilà, encore un. Au pire, ça, je les ferai après quand j'aurai fini le jeu, tu vois, si tu veux. Je te les... Au pire, si vous voulez les voir. Mais là. Attends, mais c'est pas marqué sur la carte. Merde. Quelqu'un peut chercher SVP, où est-ce que je dois aller? Parce que là, je comprends pas. J'ai récupéré toutes les preuves. Dans mon palais de la mémoire, j'ai les déductions. Bah, c'est ça que je sais pas, en fait. Ou alors, j'ai juste pas trouvé Graham. En gros, voilà, si Graham refuse de, coopérer, vous savez ce qu'il va faire. Donc là, j'imagine que soit je vais voir Graham et je le fume, je le drive-by, ce chien. Soit je vais voir Brutus, mais aucune idée d'où les deux ils sont. Et tout ce qui est relié à la quête principale, j'ai au moins... au moins eu les preuves critiques. D'ailleurs, c'est bizarre ça, que j'ai pas trouvé toutes les preuves, c'est chelou. Il doit me manquer un texte planqué quelque part, mon pote. En attendant que Airface il me soulage de la vérité, je vais chercher, hein. Le manoir Carpenter. Ah, de quoi les manoirs? Je sais même pas si dehors ça compte, en fait. Je sais pas pourquoi ça compterait pas, mais... Vas-y, ah okay. J'ai essayé d'aller parler au vieux, hein, mais il m'a juste dit d'aller niquer ma mère. On a peut-être dû aller lui mettre une petite bastos. Hop, là, oui, là. Voilà. Petite traque qui est sympa. De toute façon, c'est en contrebas après. Pas du tout. Ah putain, pas. Par la Graham. Bah merde. Bah j'ai parlé à tout le monde. Non, j'ai loupé ce connard de Graham. Putain, mais du coup, j'avais trouvé, ça me saoule. J'aurais dû insister. Ah, mais attends, je sais pourquoi. Attends, je sais pourquoi il veut pas que je parle. Oh putain, oh ça fait chier, je sais pas où il est ce con. Oh, j'ai envie de me tailler les veines. Mais j'ai pas de cutter. Oh putain. Si ça marche pas, ça veut dire qu'il faut que je retrouve un mec qui a probablement des pop. Et qu'il faut que je lui donne un sac de patates. Et j'ai littéralement aucune idée d'où il est. Et je crois que c'est qu'il faut que je fasse, en fait. C'est lui, Graham, je suis pas fou. Vous n'avez pas du travail à faire? Ah, c'est ça le truc. Kay, je tuerais pour une bonne baston. Hier, on les tabassait, les étrangers. Et voilà qu'aujourd'hui, on les embauche. Et puis quoi encore? Mais non, oui. C'est face de poisson. Mais non, et Graham, c'est le fils devant là. Oh, ça fait chier. Mais ça peut être un des deux cons qui surveille de toute façon. Bon. Oh, mais où il est ce con?
Si, il m'apparaît excitant. Merde, non. En plus, oh là là. Je crois qu'il faut que je lui donne. J'ai pas. C'est pas dans mon inventaire de toute façon. Non, il n'y a pas les trucs importants. Faut que je retrouve un mec. Oh, fais chier. Bah. Je t'ai passé par où? Vers le manoir. Bah, j'y suis vers le manoir. Bah, il est pas dedans. Hein. Normalement, il est derrière, mais j'ai fouillé derrière et il était pas. Enfin, pas littéralement derrière le manoir, mais derrière là-bas, tu vois. Ah, je sais qu'il est censé être dans la zone, mais... J'espère que ça a pas tout niqué, que je lui donne pas maintenant, en fait. Enfin, que je lui donne pas du tout. Pas un petit indication pour une petite vision, là, s'il te plaît. Normalement, il est censé être là-bas, tu vois. Enfin. Il était là, il était sur la voiture, moi je l'ai aidé et j'ai aucune idée d'où il allait en fait. Je sais plus s'il m'a dit qu'il allait dans un bar ou pas. Parce que là, mon poteau, pour le retrouver. J'ai jamais un flic. Ah mais elle peut être chez quelqu'un. Hein. Elle est pas en con. J'espère que c'est pas bugué. Parce que sinon, bah sinon c'est la merde. Ils disent pas. Où est-ce qu'il serait allé ce con? Attends, je vais regarder dans ma carnet de notes. Ah, mais je l'ai fait, ça. Bah, attends, c'est pas... Je me trompe de mec? Programme! Je crois que c'était le Renoir, moi. Je suis au manoir Carpenter, je suis pas fou. Ouais, je suis pas fou. C'est lui normalement. Vous n'avez pas du travail à faire. Vous n'avez pas du travail à faire. Mec devant pour les patates. Quel mec devant? Bah non, mais justement, il y a un mec qui les avait volés au début de la quête. Et je crois que je pouvais aller lui rendre. Et moi, j'ai dit que lui, il y a un mec qui l'avait piqué, okay. Mais. Je tuerais pour une bonne baston. Oui, non, bah eux en plus, je peux pas leur parler. Ah mais non, je suis con. Monsieur Carpenter. Non, mais ma faute. Carpenter, oui. Comment puis-je vous aider? Ah Dieu. Un de vos ouvriers est un voleur. Non, je suis désolé. En fait, j'ai pas vu là. J'ai complètement pas vu qu'il y avait une porte. Oh, putain. J'espère que mes hommes n'ont pas essayé de claquer un peu ça de même. Pas encore. Écoutez, y a-t-il un moyen de régler ça calmement? C'est ma faute. Sa famille, voilà tout. Je ne châtirai pas un homme. Alors, qui essaie de faire son devoir. Machallah, la tarde à Starfall. Adara, quand une nouvelle game sur EDF, je suis en train de me faire le premier, vous m'avez fait découvrir cette saga de dingue. Venir me voir. Je vous love. D'ailleurs, il aura peut-être besoin de c'est pas moi qu'il faut demander ça. Pourriez-vous lui donner ceci? Pour peu, du Earth Defense Force. C'est plutôt Arusian. C'est lui qui prendra l'initiative d'en refaire un jour, je pense. Pas moi. Et mais, du coup, je peux pas te répondre de quand est-ce qu'on en refera parce que j'en ai absolument aucune idée. Et je sais pas si c'est juste pour dire lululul, on a mis un masque trop dégueu, ou si c'est une référence à un film français des années 60. Ne le prenez pas mal, mais pourquoi faire preuve d'une générosité si soudaine? Qui a plus ou moins pareil. Je parle de la distribution de vivres. J'espère montrer l'exemple aux autres grandes familles d'Oakmont. Ensemble, ouais, va demander dans les doléances. Et puis, après l'incident du poisson... Au moins, tu seras sûr d'avoir une réponse, parce que là, je sais pas s'il est encore là. Donc... Il fallait que j'agisse pour empêcher une famine. Merci. Merci. Ah. Ce masque, pourquoi le portez-vous?
Blessure de guerre. Je préférerais ne pas en parler, si vous le voulez bien. Mais là, pas de problème. Brutus n'est plus grand. Je croyais que Brutus était chef de la famille Carpenter. Les choses changent ? Oh, pas du tout. Mon père est toujours à la barre. J'ai simplement hérité de quelques-unes de ses responsabilités. Ouais, je pense que c'est plus ça, Hoffman, mais ouais, vu qu'il a fait la guerre. Mais ça me fait penser, en fait, Thomas, parce que c'est un petit peu la même tronche. Bon, sauf l'œil gauche, mais ouais. Le fantôme... Non, pas, c'est pas le fantôme de l'opéra que je parlais, moi. Dites-moi pourquoi vous avez tenté de tuer votre père. De quoi parlez-vous ? Je connais vos intentions. J'ai des preuves. Soyez franc. Ou je te fume. Je savais que vous n'étiez pas un simple ouvrier. Écoutez, je ne suis pas fier de mes actions. Bah, j'ai une petite lampe torche quand même, donc oui, c'est aussi un homme c'est écrit. Ma famille a toujours donné dans le crime. Je veux changer ça. Je souhaite aider les gens. Ah, mon bras. Ah, mon bras. Voilà donc la vérité. C'est mon père qui vous envoie, n'est-ce pas ? Exact. Oui. Je suis Charles Reed. Détective. Je peux changer cette ville, monsieur Reed. Mais pour ce faire, il faut que je devienne le chef de la famille Carpenter. J'ai besoin de cette influence. Je vous en prie, je vous paierai s'il le faut, mais écoutez votre conscience. Brutus ne changera jamais. Il répand le mal. Il doit mourir. Ah, ok. J'ai besoin d'un service en échange. Pour tout vous dire, moi aussi j'aurais besoin d'un service. Seriez-vous capable d'aider un homme à quitter clandestinement la ville ? Absolument. Si tel est votre désir, je peux tout arranger. Je vais réfléchir. Raisonnez avec sagesse, monsieur Reed. Le futur d'Oakmont dépend de votre choix. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, attends, parce que là, il y a eu du lourd. Palais de la mémoire. Hop, hop, voilà. Graham est terminé à tout changer. Graham est assez brave pour aller à l'encontre des traditions familiales. Il veut réellement améliorer la situation. Graham, pantin de la secte. Graham ne serait qu'un vulgaire pantin de la secte, ce sont eux qui tireront les ficelles. Graham est capable de rester à l'influence de la secte, il est plus coriace qu'il ne le croit. Et là, ça se complique. Attends, je vais faire une petite sauvegarde. Sauvegarde manuelle. Je veux sauvegarder en fait. Ah. Alors. Nous avons resté sans paix. On a convenu que Brutus Carpenter devait mourir afin que. Ah, mais si c'est déjà convenu, nique ta mère! Parce que moi, du coup. Parce que Graham. Il y a une chance qu'il soit enculé par la secte. Aussi. Ah d'accord, ok, il y a le plan de Brutus. Ah, peut-être que je peux aller voir Brutus. Pour lui parler. Non ? Ah, je sais pas. Ouais, bah, classique. Parce que tu vois, le mec, il est quand même passé à côté de la mort. Donc, peut-être qu'il a changé, tu vois. Et Graham, d'un côté, il y a moyen qu'il soit... comment dire ? Qui soit quelque chose ne va pas. On est dans la secte. Quelque chose ne va pas. Cher Graham, c'est grand plaisir que j'ai reçu ta dernière lettre. Sache que ta sollicitude me va droit au cœur. Je tiens à te remercier une nouvelle fois de m'avoir sauvé la vie sur le champ de bataille. Je suis vraiment désolé de ce qui t'est arrivé à ton visage. Tu aurais pu me laisser pour mort, mais t'as décidé de m'aider. Et pour ça, je serai toujours redevable. Ouais. Celles-là, on ne les récolte pas en restant dans sa tranchée. Destroy this mad brute. America. Non, c'est pas ça, l'hymne, mais m'en fout. Oui, oui, il correspond, on s'en fout. Et si je fais... Aider Graham. La famille sera entre de bonnes mains avec Graham, grâce à lui, la ville prospérait pour résister à la secte. Aidez Brutus. Brutus doit être à la tête des Carpenters et la boîte cruelle lui ne tombera pas sous l'influence de la secte. Je sais pas quoi choisir là par contre. Merde. Hop, sauvegardez. Je sais pas quoi choisir parce que soit il y a d'un côté il y a la pègre et de l'autre il y a une secte quoi. J'ai du mal. Là je sais pas. Parce que certes il a fait la guerre mais. Attends, c'est que ça dit quoi les notes ? Ouais, tu vois, Brutus, il a jamais accepté les trucs des autres fous, là. Après, après, c'est parce que Graham, il veut le contrôle à tout prix.
Vas-y, on va croire en la jeunesse. Et on va aider Graham. Allez, c'est bon, vas-y. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Bah, si, justement, mais j'aimerais bien en finir. Ah, bon, bah, faut que j'aille cliquer le babouiner en fait. Quoi qu'il arrive. Vous n'avez pas du travail à faire. Oula. C'est forcément, c'est pas indiqué. Ah non. Putain, c'est où? Alors, dans une maison de Camshaw Street, entre Seven Oaks... Attends, alors, Salvation Arbor, c'est où déjà? Salvation Arbor, c'est là. Keys of Redemption. Deux, je l'ai mis TP. Ah bah je vais aller, j'ai des balles. Attends, je vais me faire des balles. Voilà. Hop, règlement de compte à l'italienne. Attends. Ah mais attends, est-ce que c'est peut-être la copie qu'il faut que je fume, non? Merde, je sais pas. Attends, mais elle sert à quoi la copie du coup? Tant de questions qui restent sans réponse. C'est le bon endroit? Non, c'est pas le bon endroit. Parce que moi, j'avais aucune hésitation à fumer les deux, hein, mais... Alors du coup, hop. Seven Oaks, entre Seven Oaks et Skipper Road sur Camshaw Street. Il y a Camshaw, Seven et Skipper. Camshaw, elle est où? Seven Oaks, Camshaw et Skipper. Ah, c'est là. Ah, j'ai l'impression que c'est là. Non, je me tais pas à l'autre du coup. C'est juste un peu plus bas. De toute façon, quoi qu'il arrive, au moins il pourra faire sortir le mec qui doit se barrer. Et puis bon, l'état de la ville est déjà niqué comme ça, poteau. Alors bon, c'est dégueulasse. Non, un peu plus ou un peu moins. Ah, tant que je peux tuer des gens. tant que je peux niquer de l'enculé, pas de problème. Merde, je voulais faire du parcours. Ça me paraît suspect, ça, en fait. Tâche n'est presque plus visible. Ça vous plaît ici, étranger? Eh ben, va falloir s'y habituer. Personne ne quitte Oakmont de nos jours. Tellement de monde. Le sang n'a séché que récemment. Ok. Ah. Y a pas de truc à... Ah si. Ah non. Merde. Je peux entrer dedans. Faut se débarrasser de toute cette camelote. Papa Brut sera là d'une minute à l'autre. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que je viens de voir là? Quoi? Mino comprendi. Faut être juste à pougne. On dirait un faux mur. Mais c'est en fait un vrai.
On va aller voir ce qu'il demande l'autre. La quantité est là, mais la qualité est à revoir. Même mon matériel est en meilleur état. Ok. Merde, voilà. Si t'étais pas sous la protection de Papa Brut, je t'aurais brisé les os. Ah d'accord, qui c'est lui? Dites-moi, j'ai trouvé une femme morte dans la... Vous n'auriez pas ordonné à vos hommes de la tuer par hasard? Partout, sérieux. Silence. Tu fais peur à Marie. Écoute, je suis pas responsable de sa mort, gamin. Faut me croire là-dessus. Et les coupables ont déjà été sévèrement punis. Tu mens. J'ai mes défauts, mais les femmes et les enfants, j'y touche pas. Ouais, mais tu mens. En fait. Je sais qui a tenté de vous tuer, monsieur Carpenter. Et me fais pas perdre mon temps, gamin. Tout d'abord, je veux savoir ce que vous comptez faire une fois que vous serez à nouveau à la tête de la famille. Tout retournera à la normale. Les traditions existent pour une raison, gamin. Et puis d'ailleurs, t'as rien à voir là-dedans. Vous savez, j'ai rencontré votre fils. Non, qu'un visage normal dans ce pays. Le protagoniste. Oh là là. Oh, c'était de la boire des Corleones. Oh, c'est pas un bruit que j'aime, ça. Non. Merde, putain. Attends, mec, ça m'a surpris. J'ai quitté le truc de dialogue, j'étais à la merci. Attends, on l'a refait, vite fait. Putain, merde, mec, ça m'a complètement surpris. Attends, je vais fumer comme il faut, t'inquiète. Enfin, si le jeu va bien. Je suis où? Ok. En vrai, je pourrais entrer et tous les buter. Mais non, sinon on lui parle pas. Oh, c'est vrai que je peux le buter sans lui parler. Que je vais faire. Ah! T'as cru? Aïe. Merde. Je pensais que ça avait rechargé. Oui, non, mais j'ai même pas regardé ma vie. Ah oui, j'ai un PV! Ah oui, en effet! Y'a pas une sauvegarde. Ah, quelle sauvegarde manuelle? Attends, si je suis chargé. Est-ce que c'était avant ou pas? De toute façon, ça va pas changer grand chose. Désolé, je suis curieux. Si je peux le refaire proprement, let's go. Let's go. Non, ok, d'accord, c'est pas grave. Du coup, est-ce que c'est bon du coup ou pas? Carnet de notes, père et fils. Ok, d'accord, bon bah c'est bon, j'ai tué le père. Ok, c'est parti. Hop. Putain, mais il y a un point de tépuste à côté en plus. C'est parfait. Oh ouais, pour le coup, c'est speedrun strat de ouf, hein. Merde. Et où l'entrée? Tu montes, tu le fumes. Enfin, après, non, ça va plus vite de juste de le fumer et de se barrer, mais... Mais là, si tu meurs assez vite, ça compte quand même. Du coup, tu peux te TP direct. Ça doit être rigolo de voir un speedrun de ce jeu, sérieux. Mec, j'avais pas vu qu'il y avait... la porte, en fait. Bon, c'est bon. Brutus est mort. Votre père n'est plus, monsieur Carpenter. Vous êtes désormais à la tête de la famille. Je n'en tire aucune joie, mais merci à vous. Vous avez fait le bon choix.
le noble choix. Ouais, m'en fous. En dépit de ce qu'il exigeait de vous. J'ai dû tuer mon père à deux reprises. Et j'ai dû vous demander de vous salir les mains, vous aussi. Mais vous n'êtes pas coupable. Je suis le seul responsable. Attends, il a tué une bonne, pour rien. Merde. À présent, pouvez-vous m'aider? Naturellement. Je vous suis redevable. Et pas qu'un peu. Encore. Au revoir. Au revoir. Alors. Alors, où j'en suis du coup? J'ai fait tout le nécessaire en échappé. À présent, il est temps pour moi de récolter les réponses à mes questions à notre dernière rencontre. Fred se trouve au sous-sol du marché aux poissons. Let's go! On avance enfin. Oui, parce que là, on était dans une quête secondaire quand même. Hein, qui a duré 1h45. La belle quête secondaire, dis donc. Et là, on peut reprendre la quête principale. Et c'est pas moi qui ai fait une quête secondaire, hein, c'est la quête principale en fait, mais c'est une quête principale qui apporte des éléments secondaires quoi. Marché aux poisse-couilles. Et là, hop. Parfait. Joli, très joli le wallpaper en fond. Ah, j'aime beaucoup. C'est beau. En tout cas, ceux qui sont encore là, je sais pas s'il y a des gens qui étaient déjà là avant pour le jeu. C'est bleu quoi. Je sais que c'est pas tonton focus mais bout de l'œil il est bien. Bout de l'œil il dit ça bouge. Mon Fred faut qu'on cause. Ok. C'est fait Fred. Les Carpenters vous contenteront sous peu. Alors vous avez quoi pour moi? Parfait. Bon très bien, écoutez un peu. J'ai organisé un rendez-vous avec un membre haut placé de l'OED. Okay. Il s'appelle Ebernot Blackwood. Je le connais? Je n'ai pas le plaisir de le connaître. Des choses à savoir à son sujet? Ebernot est prédicateur au marché aux poissons et un prêtre haut placé au sein de l'ordre. Il connaît beaucoup de choses et peut s'avérer très dangereux si on l'énerve. Je vous suggère donc de ne pas l'énerver. Vous suivez pour le moment? Ouais, ça va, c'est cool. Tout à fait. Continuez. Si l'ordre est au courant de quelque chose, vous pouvez être sûr qu'Ebernot l'est aussi. S'ils ont votre professeur, il doit savoir où il la garde. Je vais vous donner l'adresse du rendez-vous. Notez qu'il s'attend à me voir moi, pas vous. Donc soyez prudent. Bonne chance. Très bien, Fred, merci. Bonne chance et bon voyage. Merci, j'en aurai besoin. Tu m'étonnes, poteau. Et voilà. Fusil. Oh, trop bien, Springfield. Oh, je suis en costume de concert. Oh, faut que je rentre à la maison pour l'essayer. Attends. Pause. On fait une pause, là. Oh là là, pousse, le jeu, pousse. Clearwater. Pousse, j'ai un costume à enfiler. Ma maison. Elle est là, ma maison. Je crois qu'il est stylé à moitié en plus le costume. Parce que là j'ai celui du détective poisseux et dégueulasse qui se murge parce qu'il a perdu sa femme et ses gosses. Ouais, il se murge bien. La porte refuse de bouger. Voilà. Ah non, j'étais en étranger. Ouais. Oh oui, en gangster, il classe. Oh, il classe. Oh mec, enquêtant en gangster. Attends, il y a tellement de tenues. Lul. Ouais, bon, celui-là. Parce que je veux tellement celui-là, mais bon, ça c'est des quêtes secondaires, tu es des blocs. C'est cool d'avoir des autres costumes. La tenue du jour, elle est tellement classe. Avec le pack du... Ah putain, c'est en DLC. Nique ta mère. Ouais, CJ, ok. On continue comme ça, il est bien. Bon, moi, j'aime bien, regardez celle-là. Du coup, faut que j'aille où? Ok. Fred a réussi à garder l'esprit qu'il y avait un de Satan. Alors, Fred et non moi, la rencontre va avoir lieu dans un bureau inondé de... Alors. Sam Reed Street, entre Innsmouth et Oak Street, dans le centre de Reed Heights. Ok, alors. Reed Heights, c'est en haut. Ouais. Oh, j'ai qu'un seul point de TP, c'est la Hesse. Ensuite,
Innsmouth Road, Oak Street. Ok, Innsmouth Road. La ville est relativement grande, ouais. Et le truc en plus, c'est qu'elle est pas vide, parce que du coup, ils ont rempli ça de zones infestées, où tu peux te faire de l'XP et des munitions. Ce que je ne fais pas, parce que c'est la merde. Et le truc, c'est que quand t'as les points de TP, c'est cool. Mais pour te déplacer entre chaque point de ville, c'est en barque et poteau. C'est sportif. Innsmouth, ok, j'ai... Ok, j'ai... What, c'est moi qui bug. J'ai l'impression, mon stream va bien. Merde, je vais voir Photoshop. Bien. Le stream, il fait de la merde chez tout le monde. J'ai pas un retour Twitch, juste un retour OBS. Ah non, ça va bien. Non, tout va bien. Non, c'est bon. Ah, je suis encore là. Ah, non, mais... attends, parce que du coup... Sam, Innsmouth et Road. Non, je serai ok. Si, merci, le mec. Putain, il y a tellement de délais, ça me saoule. Je comprends pourquoi j'ai une de délais sur mes putains de streams. Ça me casse les couilles. Vraiment, ça m'horripile. Innsmouth, Oak et Sam Reed. Ok. Innsmouth, Oak et Sam Reed. Alors... Oui, Innsmouth c'est là. Sam c'est où? Ok, c'est là. Bon, je vais le mettre là, puis on va bien fouiller. Bon, du coup, ouais, je peux me TP là, ça va. Mais c'était nickel, mais je sens un bug, ça m'a fait péflia. Okay, ouais, non, mais ça arrive des fois. Enfin, je vois le type de bug, ça m'arrivait sur mon ancien PC portable. En vrai, je sais, j'ai aucune idée d'où j'en suis dans le jeu. Et mon gars, bah, je suis assez heureux. Parce que là, j'ai 3, 4, et toi, d'ailleurs, t'as perdu ton gland de lait à quel âge? Je l'ai perdu à 16 ans. Voilà, j'étais en train de dormir. Et il y a la fée des glands, elle est passée. Et elle m'a filé 5 balles. Elle a dû tirer un petit peu, tu vois, mais... Tranquille. Tranquille, ça va pas arriver. Tu veux savoir? Bah, je sais pas si je veux savoir. Et toi, Foxy, quand est-ce que t'as perdu ton gland de lait? Tu vois, j'ai fait une quête, deux quêtes... J'ai fait 4 quêtes principales, j'en suis à la 5ème. Tu vois, c'est pas beaucoup, hein. Et ça m'a pris pas mal de temps, quand même. T'as pas sabré? Non, j'ai pas sabré, j'ai pas eu besoin. Ah, je sabre à 13 ans. Je pense que tu dois encore en avoir les stigmates. Et je suis de tout cœur avec toi. Ah, ouais, je comprends. Non, attends. Ne recommencez pas. Oh, je fais ce que je veux. Oh. Tu vas faire quoi là? Pili. Non, mais me le dis pas. De toute façon, j'ai fini un des jeux que je devais finir. Le truc, c'est qu'il me faut de la place en fait sur mon disque dur. Putain, faut que je traverse la zone. Et pour ça, il faut que je stream et que je finisse des jeux. C'est des rats, ça. Oh, c'est pas un rat, ça. Oh, c'est pas du tout un rat. Oh là 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 là. Mais casse-toi. Oh là 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 là. Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai jamais vu ça. Oh là 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 là. Lui j'ai déjà vu. Tête de chatte là.
Lui, je l'ai jamais vu. S'il y en avait un gros, mais j'ai pas l'impression que ce soit lui. Et ça, j'ai jamais vu non plus. Je me tire de ouf. Ah, nous, point de TP. Non, c'est bon, j'ai pas besoin de sanité. Oh là 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 là. Mon gars, quand ils disent zone infestée, c'est pas pour la rigolette. Hein. Ouais, c'est là-bas. Ah bah c'est là. Ouais, non mais c'est juste barricadé, mais mec, la ville, c'est de la ville entière, c'est de la merde. Ah. Alors. Discutons vite fait. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Monsieur Reed. Je suis Monsieur Reed. Salope. Je viens de regarder, il te reste 5 ou 6 chapitres avant la fin. Oh, mais fallait pas dire. Bon, c'est pas grave, je m'en fous, mais aïe. Merci quand même, t'inquiète, c'est pas méchant. Putain, enculé. Bah, je peux en crafter des munitions, mais de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai des grenades, hein. L'autre con là en bas, il est gigantesque, je vais balancer toutes les grenades que j'ai. Ok, alors. Ah! Donc j'ai plus de poudre. Let's go. Mais voilà, 5 ou 6 chapitres! C'est... Mais attends, comment. J'imagine qu'une quête principale, c'est un chapitre. J'imagine, du coup, ça fait. Oh, ça fait une dizaine de chapitres. C'est pas mal quand même, niveau durée de vie, hein, je trouve. En plus des quêtes secondaires, franchement. C'est... Je trouve propre le jeu. Oh, il est où ce con? Merde, c'est du verre. Il est en haut. Bah non. Si, il est en haut. Merde, il y a un étage supérieur. C'est dehors. Bah. Je suis complètement fou. Qu'est-ce pour... Ah. Ok. Alors, déjà je clear et ensuite je fouille. Mais mec, il est où ce con? Mais attends, je l'entends en bas maintenant. Ah! Donc il fait des... Ah! Messieurs, dames, c'est la merde. Ah non, je peux monter par là, ok. Oh, il m'a fait peur. Oh, il m'a fait peur, j'ai cru qu'il allait traverser le truc. Bon, ça a emmuré. Dépêche. Oh, c'est la merde. Oh, merde. C'est bon, je regarde pas, ça me fera pas de dégâts. Regarde-moi ce tas de merde. Pardon, je hurle. Excusez-moi. Regarde-moi ça. C'est horrible. Ça a des dents là où c'est pas... Ça a des dents sur l'épaule.
Et il dab. Ah. Ah, c'est gigantesque. Ah là là, ah là 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 là. Oh là là, j'aime pas ça. Oh, stylé. L'enfant. Oh, stylé. Ça a des dents sur les tétons. C'est pas censé avoir des dents, des tétons. Et je m'y connais en tétons. Enfin. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, voilà. Oh là, olé. Calmons-nous, voyons, calmons-nous. Bon, fouillons. Attends, c'est ici que je devais aller? Attends, parce que moi je suis rentré dans la maison, mais c'est pas là qu'il fallait que j'aille en fait. Je suis complètement con. Mais tu es autiste, frangin. Dis donc. Bah. J'aurais nettoyé quoi. Ok. Ouais. M'en fous un peu, non? Oh. Oh. Bah ouais, c'était bien. Ah, super. Super. Ouais, j'ai pas loupé de loot. Au moins, hein. Pas se faire chier, tout fouiller. Attends, je peux me barrer par là. Aïe, canote. Et j'ai un oublié là. Putain, mec, ces renfoncements là, ils font tellement salle secrète derrière. Et là, y'a rien, j'imagine. Non, ok, y'a rien. Je me casse. Je vous emprunte l'espace. Y'a pas de problème. Oui, je lis mon livre de Noël quand j'ai le temps. Et très très joli. Du coup, faut que j'aille où moi? Putain. Attends, Innsmouth. Ok. Oak Street. Ok. Et Sam Reed. Oak Street. Ah merde. Il n'y avait pas Innsmouth 2 là-bas. Innsmouth 2. Première été, c'est bien. Sam Reed. Attends, regardez où c'est. Dans le centre. Ah, dans le centre. Ah, mais dans le centre. Je suis au centre. Ah, je suis au centre. En vrai, il y a vraiment des photos qui sont super stylées et super jolies. Quand on enlève le fait que ce soit des gonzesses à poil, il y a vraiment des clichés très très beaux. Bah merde. Oui, Intimus. Hook. Et Sam. C'est dans le périmètre. I am not crazy. Tu le streameras le livre. Bah quand j'aurai une caméra, je me mettrai la caméra au-dessus de ma tête et je me streamerai en train de le bouquiner si tu veux. Mais casse-toi. Ça va être un peu compliqué vu qu'il y a des nichons. Bon, je pense que Twitch tu vas pas aimer ça. Après si tu veux comme j'avais dit. À la highway, bah, Yarusion il va pas être content hein. Il va me voir en... Attends. En quelle catégorie je pourrais mettre ça en plus en lecture? Une catégorie lecture. Il va voir ça. Il va voir un mec qui lit un livre avec des meufs à poil et faire oh. Qu'est-ce qui se passe là? T'as des... Oui, j'ai des énormes nibards. Mais là n'est pas le sujet, Arsène. J'ai des énormes nibards dans un livre. Pourquoi il y a un truc qui sort du mur là? C'est de l'art. Ah oui, ouais, en art du coup. Je sais pas si ça passerait. Mais après, si tu veux, je prends une belle photo, tu vois, j'essaye de faire un truc propre. Je couvre un petit peu ce qui est... D'accord. Et puis, je l'affiche au début du stream. Fais comme ça.
c'est gozo. Des touches en bouquin, c'est pas super reluisant quand même. C'est parce que tu les as pas vu ça. Et ça m'avance pas. Parce que je sais pas où aller, moi, poteau. Dans un bureau inondé. Ah, de Sam Street. D'accord, mais c'est de l'autre côté, en fait. Je suis con. Il y a du body painting. Oui, il y a du body painting, mais... on voit pas les Ladybar au début, quoi. Oui, inondé, je viens de comprendre le principe de l'inondation, en fait. C'était... dans de l'eau. Sur YouTube, t'as des meufs à poil en body... Ouais, non, mais sur YouTube, c'est des fous, mais... Sur Twitch, c'est du body painting, mais genre, c'est déjà recouvert avant, tu vois. Ou c'est pas montré, tu vois, si elles le font. La caméra, elle est au niveau du visage et elle peigne en... Une vie de Zef, tu vois. Inondé, c'est dans l'onde. C'est où, l'onde? C'est où, en France? C'est dans quel département, l'onde? Attends, mais du coup, Ah, bah, ça va être là, ok. Là-bas? Donc tu vois que le bateau, bon, l'onde est leur. Ah! Non? Côté droit! Non, c'est pas là. Merde! Merde! Alors, un problème. J'ai un problème! Je crois que j'ai bloqué ma barque. Non, c'est bon. Hop, 5 points. Excusez-moi, une belle représentation de Venise. Venise. Ça va? Mais tu pêches quoi ici? Sale fou! De quoi? C'est dégueulasse dans quel sens? Merde. Ah, je peux pas m'arrêter là? Ah bien sortir du bateau. Merde. Merde. Dans le sens où t'avais des artefacts chelous quand... Comme si tu voyais le fond. Ah. Mais merde, j'ai bloqué. Je suis vraiment une merde en barque. Ah, c'est peut-être sur mon... sur le stream du coup, parce que moi j'ai pas l'impression d'avoir des artefacts. Mais il faut que je m'arrête où? Parce que après ça va commencer à être trop loin là. Quand tu passes dans les branches, ça va dans ton bateau. Ah ouais, ouais, non, les branchages, ouais, c'est dégueu. Là-bas? Mais non, mais c'est niqué! Tu parles du socle de l'espèce d'obélisque? Du socle de l'espèce d'obélisque? What? What are you talking about? Ok. Ah, non, c'est pas un bug, ils ont foiré un gros truc. Ouais, bah, après c'est pas ça serait pas étonnant. Bah merde, c'est pas là. Mais mec, mais c'est où? Ah, là-bas. Porte blanche. Putain, rien d'écrit. Je t'en supplie. Dis-moi que c'est là. Fuck. Mais mec. Mais attends. Sam Reed Street, Innsmouth Road et Oak Street. Innsmouth Road. Sam Reed Street. Putain, c'est là, c'est plus, plus loin. Bah non. Bah mais...
Bah merde. Salut Nuxao quoi. Ah bah c'est là, il y a une barque. Putain. T'es mal à base de l'obélisque. Là ? Là tu parles ? Ou là ? Ah, c'est pas un obélisque. Ah bah non, c'est pas un obélisque. Oh, bah ils font kiki. Ouais bah ouais, là c'est dégueu hein. Oui, l'obélisque. Oui, là. Oui, mais c'est un obélisque, c'est bon, je connais. Ah, la statue. Ouais, bah quoi, c'est... Dans l'eau. Mais mec, il y a... Mec, il y a une minute de retard. Un obélisque, il n'y a rien qui ressemble à un obélisque ici. Peut-être ça, au pire, au demeurant, tu vois, genre ça. C'est une petite forme d'obélisque un peu tordue, tu vois. Bon, c'est pas grave, il y a qui penche, comme tout le monde. La base, les trucs blancs dans l'eau. Oui, c'est ce que j'ai dit en premier, oui, mais ça c'est crado. Mais c'est pas du triple A, c'est normal. Ils ont fait ça viteuf, tu vois, enfin, genre ils ont fait les décors, ils ont mis ça, donc ça glisse un petit peu dedans. Ah si, ça ressemble plus à un obélisque. Mais ouais, mais là il y a tout qui est bien. Mais si, un... Ah. Attends. Obélisque. Non, pas le tourmenteur, du coup j'en ai à foutre des tourments. J'ai que ça dans la vie, des tourments. Oui, bah oui, un obélisque. D'accord, je savais. Oui, j'ai pas du tout pensé que c'était un roi en pierre. Oui, non, mais tout va bien ici. Des gros artefacts blancs, sa mère. Ah merde. Ouais. Parce que moi, sur mon retour, j'ai rien non plus. Attends, juste voir ce que... 1v1, les grands anciens, quel connard. Tu peux charger, stream ? Bah non, chez moi, j'ai rien non plus. Attends, j'ai mis un grand écran. Ah, c'est peut-être quand je bouge ? Non, je vois rien. Ou peut-être quand je cours ou quoi ? Bah, moi, je vois rien, en tout cas. Merde, j'ai pas remis le chat. En tout cas, moi j'ai rien. Je tends un screen. Ouais, bah je regarderai ça après. Il y en a tout le temps ou juste là? Bon, bah je crois que c'est là-bas, mais je peux pas accéder à la barque. Donc ça casse les couilles. Non, c'est juste là. Ah, c'est juste là. Merde, une barque là? Non, putain! C'est la merde le bateau là! Ça me saoule! Oh non, vous êtes qui, d'accord? Il est où mon bateau? Bah, ma barque? Ah, c'est plus loin. Ah putain! Elle a pop quand je ne l'ai pas vue. Bon, normalement ça devrait être là-bas. Je suis désolé pour des fois les petits ralentissements. Enfin, quand ça saccade plus ou moins. C'est parce que mon CPU c'est de la merde. Arrête là le rendez-vous, non. Ah! Mais non! Mais I am friendly! Bah, Charles saccade! Oh putain! Allez, Call of, c'est parti! Putain de membre du clan! Kebab! Il m'a trop surpris, ça m'a tué. Non mais mec, c'est... Mec, il t'attendait 100%. Ouais, non, mais il était comme ça. Il était comme ça. Moi, je suis arrivé le soleil dans la gueule, tu vois. J'ai fait, oh là là, je vois des gens. Et lui, il m'a fumé. Bon. Le tueur savait ce qu'il faisait.
Alors que ça, t'es friendly avec les monstres. Je viens de leur mettre deux balles dans la tête, jeune homme. Ah, mais j'en fous, non, mais j'en fous. Si je fais ça, je peux pas voir du passé et du futur. Non, je sais pas. Non! Pardon. Non, dégage. Y'a pas d'autres trucs à fouiller. Je vais devoir suivre le cadavre. Get out, leave no. Ah. T'imagines, il te voit depuis tout à l'heure faire des allers-retours. mais il m'a vu faire des allers-retours en plus. Mais qu'est-ce qu'il est con. Mais... Ici, le rendez-vous secret. Mec, tu replantes... Bah ouais, bah attends. Faut bien ranger les choses à leur place. Est-ce que tu prends le couteau puis on... Ouais, oui. Mais je suis méticuleux. On ne laisse pas de bordel. Le couteau, il est dans l'œil, je le remets dans l'œil. Vous avez été prévenu, et pourtant vous revenez. Ceci est notre dernier avertissement. Retournez sous l'eau ou mourrez. Reed Heights se trouve sous notre protection. La police ne vous aura d'aucune aide, personne ne le saura. Ce n'est pas Ebernote. La vache. Pauvre gars. Il y a de l'overkill là, hein. Il y a de l'overkill. Ah, me no likey. Les trucs comme ça. Parce que de toute façon, je vais devoir le suivre le cadavre, donc je pense que je peux fouiller là-dessus en pépère. Alors, c'est un peu une poiscaille aussi, le mec pendu. Dis voilà, Foxy. Ce n'est pas Ebernote. Cher professeur Doug, la promptitude de votre réponse fut fort appréciée. Il est malheureux que nous ne puissions nous rencontrer en personne sans nous compromettre. Vos hallucinations semblent en effet inhabituelles. Et les charlatans de l'asile seraient bien en peine de le comprendre. Mais moi, j'en suis capable. Il y a peu, j'ai lu au sujet d'un certain phénomène qui présente des ressemblances avec ces visions. Je vous informerai de mes découvertes plus tard. Prévenez-moi en cas de nouvelle crise. Et je vous en prie, restez en lieu sûr. C'est d'une importance capitale. Bien à vous, Dominique Chapatte. Ce n'est pas Ebernote. Ok. Oh, magnifique constellation. La constellation du prépu. C'est pas professeur Chapatte. Ah. ok. Alors, c'est à... 14. L'élu scellera les portes. NEX 2000 ou 200 252 Non. Je sais pas, je sais plus. M c'est 100, non. Des centaines échoueront, mais l'élu ressuscitera. 2102. 2 Bah non. Ah c'est 100, le C. Et ça, c'est 2000 M1000. Ok, 2102. D'accord, ok. Du coup, 2100. X, c'est 10. Ah oui. 2121. La volonté de l'élu brisera le cycle. DML. L. Mais c'est quoi L? LXX2. L. 10 000 202. Car il n'y a qu'un élu. XCV1. L c'est 50, ah d'accord, ok. Ouais, 70 quoi. Oui si c'est ça. Et Cent. L'élu qui les franchira. 8000 milliards de pognon, ouais 96, c'est bon. Cet endroit a été canardé de part en part. Ce n'est qu'un détail, les chiffres. Le langage de Dieu. Cet endroit a été canardé de part en part. Lul. Lul. Un X devant un C, c'est 90. Ok, d'accord. M'en fous. vas-y, attends, je vais résumer le crème. Résoudre la crémée. Connard. Oui. Lui-même. Je me rends. Emmenez-moi.
et laissez mes hommes partir. Emmenez-moi au pays des merveilles. Emmenez-moi. Jusque derrière le soleil. Nous sommes attaqués. Nous sommes... Mais qu'est-ce qu'il a fait le doubleur? Mais... Prends une voix calme et ensuite... Crie. Monsieur, nous sommes... Parfait, parfait, Jérôme. On a la bonne. Putain. Oh, c'est chelou. Le sorcier impérial va régler ton cas, Blackwood. Mais non, on n'aurait pas dit le même doubleur. Ils comprendront peut-être enfin le message. L'ordre n'est pas le bienvenu dans ce quartier. Tout ça. Ouais. Attends, par contre, je sais pas. 1, 2, 3, 4 ? Non ? Là, j'ai aucune idée de... Le sorcier impérial va régler ton cas, Blackwood. Ou non, peut-être... Bah non. Merde. Peut-être en haut, là, ça commence par 1. Genre 1. Enfin, 1 dans les escaliers, 2 là-haut. Et 3 et 4. Ça, 1. Monsieur Blackwood, nous sommes attaqués. Nous sommes... Deux... Je meurs. Mec, ça me fume. Emmenez-moi et laissez mes hommes partir. Ensuite, 3 et 4 en dernier. Bien vu. Le sorcier impérial va régler... Ils comprendront peut-être enfin le message. L'ordre n'est pas le bienvenu dans ce quartier. Yes, le bien vu, bien vu. Le point a été attaqué. Ebernote a été emmené ailleurs, tandis que les cadavres de ses gardes ont été laissés en avertissement. Oh là. Alors là, du coup... Attends, pas les mémoires, j'ai quoi déjà? Carré de notes. Okay. Pas la première fois ni la dernière. Une note laissée par les agresseurs dit qu'ils sont prêts à recommencer et que Reed Heights est sous leur protection. J'ai pas vu qu'il y avait un bébé, là. C'est terrifiant. Ebernote a étudié un certain nombre de textes occultes dans lesquels l'élu est un terme récurrent. Gondorant a été attaqué par des hommes encapuchonnés malgré les suppliques qu'ils ont. Ils n'ont épargné personne, ok. Alors, interdit aux faces de poisson, super méchant. Le lieu de rencontre à Red Heights a subi une attaque visiblement bien préparée. Et Barton Blackwood a été fait prisonnier et sa société s'est massacrée. Les agresseurs ne craignent pas la police et il ne s'agit... La police ? Il ne s'agit sûrement pas de leur premier coup d'état. D'éclat. Ils portaient des capuches et étaient armés de couteaux. Ils essayaient Il n'y avait pas que des couteaux. Hein. Tu mens. Ils essayaient de manifestement de garder les gens d'Innsmouth confinés. Ok. Et ça ? Vas-y, ok, ça. Ok. Bah. Ce n'est pas Ebernote. Oup. Toutes les preuves. Ah bah d'accord, bon bah j'ai plus besoin de le suivre vu que j'ai tout trouvé. Alors. Faut que j'aille où maintenant du coup? Ah, ça faisait longtemps que j'ai pas tout trouvé, donc ça me fait plaisir. Bah ouais, mais Bah ouais, mais tu veux que j'aille où là maintenant? De l'autre côté là, dans Red Heights? Et je fouille! Ah, vas-y, au moins j'aurai les points de TP, hein. Je vois pas quoi faire d'autre du coup. Il va devoir y avoir un passage. Putain, il est déjà minuit. Eh bien. Le temps passe vite quand on s'amuse. Bon, bah là, je vois vraiment pas trop où aller. Du coup, bah, je vais juste fouiller. Hein. Tu peux aussi aller à la boulangerie la plus proche pour aller chercher du pain. J'ai déjà une baguette à la maison. Pourquoi faire? Va avoir de baguettes. Bah oui, bien entendu, c'est logique. Qu'est-ce que j'adore le pain. Tu sais que... voilà, tout le monde s'en fout, mais je m'en fous encore plus. De ce que vous en foutez. Mais maintenant, je mange une baguette par repas. Une baguette entière par repas.
Le midi, c'est une baguette. Le soir, c'est une baguette. Ouais. Mais genre, c'est pas juste tout seul, hein. C'est en complément d'un repas qui est déjà bien fat. Je suis devenu un monstre. Ah, je suis pas sûr, bonne arrivée. Moi, je suis mon propre pain, deux baguettes pour la semaine. Oh putain, trop bien ça. Oh, ça va être délicieux. J'ai cru que t'allais nous faire un JCVD, genre j'adore le pain, dans quelques années, il y en aura plus. T'es fou. Mec, s'il manque... Enfin, si un jour, il y a une denrée qui serait à ne jamais manquer, c'est bien le blé. Le pain, poteau, il y en aura en permanence. Passé, présent, futur. Je pèse mes mots. Notez ces mots. Le soutien à Milton Pierce, le maire Coquemont mérite. Mais putain, mais c'est pas encore le bon truc, je suis trop con. Non, par contre, ça fait 10 ans que j'ai pas mangé du pain fait maison, je crois. Et je t'avoue, ça manque un peu, c'est tellement bon le pain fait maison. T'as mis ta mère là en code d'agence, ça, je te bénis. Oh, une barque. Oh, c'est joli. Faites un rendez-vous amoureux. Pili. Merde, à gauche. Le mien est excellent en tout cas. Bah, tant mieux pour toi, hein. Mec, tu pourras faire du pain au sésame et tout, mais Gucci. Gucci tellement. Ah, j'ai la dalle. Je peux m'arrêter là? Oui, je peux m'arrêter là. Ah! The door is closed. I repeat, the door is closed. Moi, je fais du pain au Nopix. Au Nopix? C'est quoi le Nopix? Ah, au noix? Au Nopix. Moi, c'est quoi le Nopix? Regarde, dis-nous, explique-nous. Ou alors, c'est vraiment un truc. C'est vraiment un truc et je suis l'idiot du village. Je sais pas. Maintenant, j'ai le doute, je mets le doute tout seul. Facile de mettre le doute dans le cœur d'un homme. Ouais, mais c'est trop bon pour ces hommes aussi. Tiens, je suis acheté une petite baguette au pain blanc. Petite baguette croustillante tout à l'heure. Ça faisait super longtemps que j'en ai pas bouffé parce que j'achète que du pain aux céréales. Bah, je vais aller à côté de Sam Reed. Enfin, sur Sam Reed plutôt. Oh là là, c'est tellement la merde ici, poteau. Ok, j'y suis. Ah. Alors, ouais, mais non. Attends, mais je peux pas aller sur la rive d'en face. Are you sure about that? Ah merde. Ah, qu'est-ce que Hoffman. De toute façon, je pense que je vais couper dans quelques minutes. Parce que je sais pas où aller et j'ai l'impression de pas pouvoir aller sur la rive d'en face. Ouais, non. Du coup, ouais, je pense que je vais couper là. Et puis, on reprendra une prochaine fois. Bon, pas la semaine prochaine parce que je stream jeudi. Mais plus tard en tout cas. Du coup, bah merci d'être passé les copains. Moi je vais sauvegarder, hop. Voilà. Merde, oh, c'est pas grave. Hop. Et puis bah à demain parce que demain on se fait du The Hunt, du The Hunt. On va chasser des animaux.
Mais j'ai pas beaucoup de munitions. J'ai une munition. Je peux pas me clic-clac. Oui, je sais pas où aller non plus, mais il est minuit et j'ai la dalle et je suis fatigué, donc on reprendra plus tard, tu vois. Je regarde où il faudra aller et puis on continuera comme d'hab, normal. En tout cas, merci d'être venu les potos, merci pour tous les subs, hein, ça fait toujours plaisir. Pour le petit hype train qui était mémorable. Tu vois, encore une fois, te faire fumer par un élan. Non, ah ouais, si, on ira dans la taïga. Ouais, du coup, on ira dans la taïga. Et puis, bah, à demain, ça va être cool, je pense. Je sais plus qui y aura en tout. À toutes, oui, c'est vrai que maintenant on peut dire à toutes. Mais et voilà, je commence à. J'ai bien regardé, ouais, je commence à dire de la merde là. Hop. Et hop. Voilà. Mais en tout cas, merci d'être passé les copains. Et puis, à demain. Bon, chercher une petite musique quand même. Pas se laisser sur un truc qui racle. Oh, pardon. Petit truc sympa, y'a un petit truc sympa là. Vomir dans ma propre gorge. Bah non, pas ton café, il va être froid, nique ta mère. Oh, tu as une petite musique cool. Petite musique qui donne le sourire. Voilà. Allez. Kiss.